Aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e vidéo de la série sur la confiance en soi et je suis super contente si vous m'avez suivi depuis le début de cette série et si vous vous accrochez, vous pouvez déjà être très fière de vous, c'est que vous avez franchi une grosse étape, que vous avez fait un énorme pas en avant. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'autosuggestion. Alors, en quoi consiste l'autosuggestion? C'est assez simple, c'est le fait de se convaincre soi-même, de se suggérer en fait à soi-même de quelque chose. Se suggérer quelque chose à soi-même. C'est plus français dans le sens là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous répéter une phrase chaque matin et chaque soir. Donc, pas seulement chaque jour, mais vraiment chaque matin en vous réveillant et chaque soir en vous couchant. De vous répéter une phrase qui va vous donner confiance en vous. Ça peut être par exemple, j'ai confiance en moi et je me sens capable de tout aujourd'hui. Ou ça peut être, j'ai confiance en moi et je me sens capable de tout, tout court, ou d'autres choses comme, aujourd'hui, je vais tout défoncer, je suis une battante, cette journée ne va pas me résister. Si en plus vous faites des rimes, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est vraiment comment l'autosuggestion fonctionne, c'est de se suggérer à soi-même quelque chose. Si par exemple vous avez peur de parler en public et qu'aujourd'hui vous avez un oral, ben c'est simple. Le matin, vous vous dites quelque chose comme « Aujourd'hui, je n'ai pas peur de parler à l'oral, j'ai confiance en moi et je vais tout déchirer. » Et vous vous répétez ça le matin, le soir, chaque jour, pendant 2 semaines avant votre oral. Et ça va vraiment vous aider et en fait vous allez vous convaincre vous-même que vous en êtes capable. Donc, mettez en application l'autosuggestion, suggérez-vous à vous-même que vous êtes capable d'avoir confiance en vous et vous allez voir que cette technique, en plus de tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, va vraiment, vraiment vous aider à avoir plus confiance en vous. Je vous suggère d'aller aussi regarder mes vidéos précédentes, donc celle-ci est la 7e, il y en a donc 6 sur la confiance en soi juste avant celle-ci. Donc vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner avec le bouton s'abonner juste en dessous. Et surtout, laissez-moi des commentaires pour vous dire si ces vidéos vous aident. Dites-moi si vraiment ça vous aide, si vous vous sentez mieux, si vous avez réussi à avoir plus confiance en vous, même si vous n'êtes pas vraiment arrivé à votre objectif encore, mais ça va venir, je vous l'assure. Dites-moi où vous en êtes, ça m'intéresse vraiment. Donc, jusque-là, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour la 8e, et prenez bien soin de vous-même jusqu'à la semaine prochaine. Gros bisous!